Vous êtes un homme courageux. Je vous ai dépossédé de votre épée, mais je vous laisse la vie sauve. Monseigneur. Monsieur. On entend à tous les coins de rue que les pirates des Caraïbes sont des hommes sans foi ni loi. À compter de ce jour, je m'opposerai à tous ceux qui profèrent de tels mensonges. Vous partagez sans conteste les valeurs chevaleresques. Je vous fais allégeance. Vous êtes un homme juste et droit. Reprenez votre épée. Je vous prierai seulement de ne pas en faire usage contre moi, si vous tenez à être libéré demain. Monseigneur, je vous en fais le serment. Ah, tout est bien qui finit bien. Steeler, toi, tu montes la garde. Quant à vous, je suis désolé, mais on va devoir vous attacher. Tout de suite, Carmo. La disparition de ces deux notables inquiétera fatalement les autorités. Il faut absolument qu'on prenne les devants. Ramassez tout ce que vous trouverez et barricadez la porte. Bon, je vais finir le travail avec Van Steeler. Carmo et Moko, vous fouillez la maison de fond en comble et vous me ramenez tout ce qui peut servir d'arme. On n'est jamais trop prudent. Il faut bloquer l'accès de ces maudits escaliers. Faites attention à mes meubles! Toutes ces merveilles sont importées d'Espagne! Mes meubles! Ayez pitié! Il y a une troupe de soldats en armes qui se dirige droit sur nous, capitaine. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous deux? Un fusil à silex, un baril de poudre et une vieille hallebarde. Ouvre immédiatement le baril et prépare une amorce. Avec cette poudre, on risque de faire sauter toute la maison. C'est dangereux! Si on nous attaque, nous avons le droit de nous défendre en usant de tous les moyens dont nous disposons.
Oh non, pitié, pas ma maison, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'il me reste. Dites quelque chose, votre seigneurie. Vous me couvrez. Au nom du gouverneur, ouvrez cette porte! Tout le monde est prêt, ça y est. Nous attendons vos instructions, capitaine. Prêt pour une lutte acharnée. Moko, va voir au grenier s'il y a une issue de secours. Ouvrez cette porte! Vous m'entendez là-dedans? Je vous ordonne d'ouvrir cette porte! Pourquoi? Qui êtes-vous? J'aimerais parler au notaire. Je crains que Don Turillo ne soit actuellement indisposé, cher monsieur. Quant aux deux aristocrates qui ont disparu, il en va de même pour eux, et ce jusqu'à demain. Ensuite, vous aurez tout le loisir de converser avec eux. Relâchez-les, ou je fais défoncer la porte! Faites ce que bon vous semble, mais sachez que nous l'avons piégé avec un baril de poudre. Si vous tentez quoi que ce soit, je donnerai l'ordre de le faire sauter. Je doute que vos amis réchappent de l'explosion. Pas plus que vous et vos hommes, d'ailleurs, si vous êtes assez stupides pour tenter un acte de bravoure inconsidéré. Quel est votre nom? Si vous étiez une jeune et jolie jeune fille, je vous le donnerais sans l'ombre d'une hésitation, si vous voyez où je veux en venir. C'en est assez! Ma patience est à bout! Si je comprends bien, vous souhaitez mettre un terme à cette conversation. Bon, très bien, vous l'aurez voulu. Carmo, sors le baril et tiens-toi prêt à le faire sauter à mon commandement. À vos ordres, capitaine. Voilà, j'attends votre signal. Vous voulez avoir le massacre de dizaines d'innocents sur la conscience, monsieur? Je vous conjure de libérer le comte et son neveu. Obtempérer, il ne vous aura fait aucun mal. Je suis prêt à accéder à votre demande, mais sous certaines conditions. Quelles sont-elles? Je vous écoute. En toute première instance, faites reculer vos hommes. Tâchez ensuite de nous faire délivrer un sauf-conduit signé de la main du gouverneur, qui nous permettra de quitter la ville sans encombre. Capitaine! Pourquoi un sauf-conduit? Je vous ai donné ma parole! Vous avez vu? Les choses prennent une tournure inquiétante. Il n'y a aucune raison de paniquer. Nous allons leur dicter nos quatre volontés. Je n'en serais pas si sûr. Le type qui vient d'accourir et qui parle avec l'homme à la veste rouge, c'est un des basques de la taverne. Il va lui dire qui nous sommes. Je les connais. Ils sont dangereux. Appelez votre chef. Allez. Il faut le faire taire avant qu'il nous vende. Ce sont des pirates! C'est ce que je craignais, mettez-les en joue! Descendez-le! Descendez-le! Armés! Ne donnez surtout pas l'ordre de faire feu! Pas encore! Vous êtes faits comme des rats! Rendez-vous! Ou on tire! Mais je vous en prie! Vous allez donc signer votre propre arrêt de mort? Je préfère mourir dignement dans le souffle d'une explosion qu'au bout de la corde que vous avez sans doute déjà préparée pour moi. Je vous l'ai dit, vos vies seront épargnées. Croire en la parole d'un Espagnol, ce que vous me demandez là est impossible. Pendant que vous réfléchissez à la suite des événements, mes amis et moi allons nous restaurer. Si nous en avons le temps avant que la maison explose, nous traquerons à votre santé. Adios. Stiller, s'ils ont les mains libres, nos amis se sentiront mieux pour manger. J'ai compris. Oh, capitaine.
capitaine, vous ne croyez pas que le moment est mal choisi pour ce genre de mondanité? Notre dernière heure n'a pas encore sonné. Le baril de poudre va faire des miracles. Steeler? Puisque cela risque d'être notre dernier souper, ce serait dommage de laisser au cochon toutes ces bonnes victuailles cachées sous mon lit. Oui, certes. Ah, tu veux t'en charger? Avec joie. Que Dieu vous garde, Don Turillo. Rien qu'au nez, je sens que nous allons nous mettre le gousier en joie. C'est sûr, oui. Et puis, ça ne vous manquera pas au fond de votre tombeau. Vous avez raison. Et oui, comme toujours. Quand je déguste un bon nectar qui m'aide à penser. C'est le meilleur des remèdes. Tôt ou tard, vous serez dans l'obligation de capituler, et je ne donne pas cher, hélas, de vos vies. Le gouverneur est un homme impitoyable, dénué de tout sentiment humain. Moi aussi. Lorsqu'il le faut. Et nous avons des comptes à régler. Tout le monde à son poste! Carmo, va voir ce qu'il mijote. Steeler, va vite chercher Moko. Oui. À votre santé. À la vôtre. Capitaine! De plus en plus d'hommes armés de mousquets rappliquent. À vue de nez, ils sont une bonne trentaine maintenant. Toute la rue est bloquée. Eh bien, ça y est, ils se sont décidés à passer à l'attaque. Merci. J'ai déplacé quelques tuiles pour nous frayer un chemin. Tu as l'étoffe d'un chef. On se replie, sur le toit. Carmo, occupe-toi du baril. De laisser perdre ça. Il nous reste 2 minutes pour filer avant que la maison explose. Oh, ma maison, mon joyau, je suis complètement ruiné. Et au pas de course! Ce jardin appartient à l'un de mes amis. Derrière la grille, c'est l'orée de la forêt. Si je leur demande, ces gardes vous ouvriront. C'est très tentant, mais j'espère qu'il ne s'agit pas là d'un stratagème pour nous livrer au gouverneur. Oh non, n'ayez crainte, je n'ai pas oublié que vous m'avez gracié. Dans ce cas, j'accepte l'invitation. Tout le monde saute dans le jardin. Allez, c'est notre seule chance de survie. Ma maison! Restez où vous êtes, plus un geste! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Louis, tu ne sais plus reconnaître les amis de ton maître. Excusez-moi, votre seigneurie. L'explosion nous rend méfiants. Désolé. On est un peu perturbés. Aucune importance. Nous poursuivons les pirates qui ont fui par la forêt. Louis. Mais enfin, monsieur! Allez, ouvre la grille. Ne discute pas mes ordres.
Oui. Dépêche-toi. Je suis fier d'avoir pu vous aider à prendre la fuite. Un homme de votre trempe ne doit pas finir à la potence. Ce serait une mort indigne. Merci. Merci pour tout. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. J'en serai extrêmement heureux, moi aussi. Au revoir. Alors, tu te faisais du souci pour nous? C'est pour ça que t'es venu nous attendre ici? Nous voilà sains et saufs. J'avais raison. Une fois de plus. Carmo, non! C'est Sheba. Si tu la tues, tu seras maudit jusqu'à la nuit des temps. Elle a un rôle de guide et de protectrice et répond à la chamane Leila. Je n'ai pas peur de la mort, mais si je peux éviter d'être maudit, ça m'arrangerait. Pourquoi est-ce qu'elle nous coupe le passage? Ça y est, j'y suis. Je sais pourquoi on s'est sorti de toutes ces embûches sans la moindre égratignure. Tout simplement parce qu'on était sous la protection de Leila. Hein? On est encore loin de ta hutte? Un peu. On en a pour 2 heures en marchant bien. Ouais. Il faut récupérer le corps du corsaire rouge. En avant! Je vous conseille de ne pas faire un pas de plus. Sincèrement, c'est dangereux de rejoindre la hutte de Moko, la forêt grouille de soldats espagnols. J'ai enroulé votre frère dans ma cape et je l'ai rapatrié dans le coin. Il vous attend dans un canot de l'autre côté de la corniche. Vous n'avez plus qu'à aller le récupérer. Je vous remercie du fond du cœur pour la beauté de votre geste. Que puis-je faire pour vous rendre l'appareil? Quel que soit votre souhait, j'y accéderai avec une grande joie. J'aimerais venir avec vous. Je ne tiens pas à ce que le bruit se répande qu'Emilio de Rocanera, seigneur de Vintimille, s'est assis sur sa parole d'honneur. Vous êtes la bienvenue. Quoi? C'est un joli nom, Rome. Et Monsieur Carmo, comment tu le trouves, hein? Parle-moi un peu de lui. Ce n'est pas grave s'il est un peu rustre au premier abord. Ce qui compte, c'est qu'il ait du cœur. Va lui montrer que tu l'aimes. Ha ha ha!